Ça, c'est le chat de Pallas. Mais pourquoi il a l'air si blasé? C'est parce que si vous regardez bien, il a des pupilles rondes, alors que les chats qu'on connaît, domestiques, ont des pupilles verticales. Et s'il paraît énorme, là encore, ce n'est pas le cas. Il fait juste genre, car en réalité, il fait la même taille que les chats domestiques. C'est simplement qu'il vit dans des milieux très froids en Asie centrale, et que donc sa fourrure est turbo-épaisse pour avoir bien chaud comme une grosse doudoune. Mais il n'est pas que molletonné, car s'il a l'air blasé, sachez que c'est un prédateur redoutable et précis, et qu'il se nourrit de pikas. Non, pas cela, les pikas sont des vrais petits mammifères, mais le problème c'est qu'ils sont considérés comme des nuisibles, par exemple en Chine, où ils sont éradiqués. Le problème c'est que si plus de pikas, plus de chats de palace. Pas de pikas, pas de palace. On espère donc que ce gros chatouillet blasé continuera à nous regarder du haut de sa beach resting face, car c'est un animal vraiment fabuleux. Mais t'es où, palace? Mais t'es palace, mais t'es où?